C'était la sûreté qui nous demandait de l'aide pour aller interpeller un gars très dangereux qui était recherché pour homicide. Bref, on arrive et puis bon, il n'était pas présent et on trouve 5 kilos de shit et un fusil à pompe qui nous attendait derrière. Et finalement, cet appartement appartenait à la première secrétaire d'un parti politique très très connu. Et donc on a fait toute la procédure. On a travaillé peut-être 6 mois sur cette procédure Ah, vous éveillez ma curiosité. et cette secrétaire, son boss, est devenu président de la République après. Voilà. Et donc un jour, on reçoit un appel du juge d'instruction qui nous dit, vous mettez tout de suite fin à la commission rogatoire et vous me la renvoyez. Voilà. Et en plus, le gars, on avait réussi à l'interpeller, donc on avait une grosse affaire de. C'était pas de la coke, je crois que c'était de l'héro, ouais. C'était celui qui balançait toute l'héro dans le 93. Et donc on avait fait des écoutes, enfin, on avait vraiment bossé sur ce dossier, puis on l'a fermé parce qu'on nous a trouvé un vice de procédure.